La musique, c'est bien en abuser et ça craint. C'est le message lancé par l'association autour des rythmes actuels. Elle sensibilise les musiciens au risque d'une trop forte écoute. 70% des professionnels souffriraient de traumatismes auditifs. Hier, un dépistage leur a été proposé. En 10 minutes à peine, le verdict tombait. Explication avec un audioprothésiste. Bon, ici, dans le cadre de la RAS, ce sont beaucoup de musiciens amateurs. Donc pas forcément bien renseignés parce qu'ils ont d'autres occupations, d'autres activités. C'est intéressant de pouvoir leur expliquer les risques qu'ils courent par rapport notamment aux musiques amplifiées, parce qu'il y a peut-être un peu plus de risques sur la musique amplifiée que sur la musique acoustique. Donc de pouvoir bien les informer, de pouvoir bien leur dire voilà quels risques vous courez, à quel moment vous risquez de perdre un peu d'audition, et ce que ça peut avoir comme influence ou impact sur votre musique si vous ne faites pas le nécessaire par après, quoi.